Si certaines stars s'empressent d'annoncer la venue au monde de leurs enfants sur les réseaux sociaux, d'autres, comme Jonathan Cohen, préfèrent révéler cela d'une toute autre manière. En effet, à bientôt 43 ans, le réalisateur de La Flamme est récemment devenu père pour la deuxième fois. Mais ce n'est pas lui qui a annoncé l'heureuse nouvelle. C'est son épouse, la célèbre DJ Piu Piu qui, en story Instagram, ce vendredi 9 juin, l'a fait en partageant des clichés attendrissants. Sur les photographies publiées par Piu Piu, les internautes ont pu remarquer la main de la mère de famille tenir tendrement, tour à tour, celle de ses enfants. Sur le premier cliché, à la vue du vernis à ongles coloré, on peut présumer que la musicienne tenait la main de sa fille Gloria, née en 2019. Mais sur la seconde, on peut apercevoir la main d'un petit nourrisson. Une façon pour le moins étonnante d'annoncer que son bébé est né. Malheureusement, l'épouse du réalisateur français n'a pas dévoilé d'ample révélation. On ne connaît toujours pas le sexe du nouvel arrivant dans la famille, et encore moins son prénom. Jonathan Cohen, ses rares confidences sur sa paternité en juin dernier. Jonathan Cohen s'était penché sur sa paternité lors de son passage au micro du podcast du Monde. Une entrevue au cours de laquelle l'ami de Géraldine Nakache s'est particulièrement livré sur les nombreux changements qui ont suivi dans sa vie suite à la naissance de sa fille, Gloria. C'est très marrant, mais quand ma fille est née, j'ai fait des rêves survivalistes. Il fallait que j'aie un jardin où cultiver des tomates pour la nourrir et subvenir à ses besoins, a-t-il d'abord reconnu. Très apeuré à l'idée de ne pas avoir assez de moyens pour répondre aux besoins de sa vie, Jonathan Cohen a donc pris une décision pour le moins radicale, sacrifier certains de ses petits plaisirs. Notamment son budget shopping afin que sa fille aînée ait à manger sans même acheter de la nourriture au supermarché. C'était très marrant de voir s'opérer chez moi un truc très instinctif de survie, a-t-il estimé ensuite. Autant de déclarations qui prouvent à quel point celui qui a essuyé plusieurs échecs amoureux est devenu un père très attentionné. Crédit photo, Koadik Guirec.